Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Cold War. Il me tardait vraiment trop de jouer à ce jeu. Putain, il me tardait vraiment trop. Ça fait des semaines que j'en parle sur Instagram et tout. Pour ceux qui me suivent pas d'ailleurs, vous pouvez aller me suivre. Écoutez, je vais vous faire plein de vidéos dessus. Donc, je vous ai attendu pour allumer le jeu. Donc, ça y est, je suis sur le menu. J'ai pas du tout touché à aucun des modes. Donc, je pense que je vais faire une découverte en zombie, en multijoueur. Et puis après, je ferai un petit let's play de la campagne. Je verrai un petit peu selon les retours que j'ai, etc. Et puis voilà, bah, écoutez, on est parti pour tester. Ok, bah écoutez, c'est parti. Hein. Ah, le menu il a changé, là il y a du sang et tout, c'est stylé. Bah écoutez, voilà, c'est direct, hein, je crois qu'il n'y a qu'une map donc. Time Machine 20 matchs. Ah, genre on peut choisir s'il y a une fin ou quoi. Vas-y, on va mettre une fin. Partir la match 10, puis toutes les 5 matchs, vous pourrez tenter de vous exfiltrer et gagner des bonus. Pourquoi ça s'arrête à la match 20 alors si on peut le faire tous les 5 matchs? Ah, mais il y a une classe et tout. C'est pas mal ça. Vas-y, on va prendre MP5. Hein. Ah, c'est trop stylé cette drone. Ouais, ça la joue comme ça. Ah, mais y a pas de couteau? Non, mais sérieux. Ah, mais là on gagne pas de points quand on tire sur. C'est que quand on les tue, je crois qu'on gagne des points. Putain, c'est trop stylé, c'est Nage d'Arun Totem, le code 5. Mais dehors. Avant, on sortait des maps, et maintenant ils nous ont foutu direct en dehors de la map. Mais pourquoi on gagne pas de points quand on tire dessus? C'est nul ça. Oh, je me trompe. Confectionner l'équipement, y a un établi. Débloqué au niveau 14, ah ouais, il y a des niveaux et tout. Ah ouais, ok. Il a ouvert une porte là, non? C'est quoi ça? Faire plein de munitions. Ah, ça c'est bien ça. Oh, c'est stylé. C'est quoi qui tombe là? Mais non! On peut ramasser des trucs et tout par terre, je sais pas ce que c'est. Ce qui est trop bien, c'est que quand je regarderai ça à la fin du jeu, genre dans un an, je me dirais, mais je comprenais pas ça, sérieux? Faut ouvrir, je pense. Moi je suis une pince, je n'ouvrirai pas. J'ouvrirai pas parce que j'ai besoin d'ouvrir des boîtes pour la vidéo. Je fais des patates, moi. Je vais mettre une steak. Ah, je vais te mettre une steak, gros! J'ai plus de balles. Après, ça coûte 250 quoi. En vrai, ça va, t'es jamais à court de balles du coup. Oh là là, c'est trop stylé. Il y a une porte là, non? 100%, il y a un truc avec ça. Oh, il y a la boîte! Attends, ils sont partis où là? Mais tu sors d'où toi? Ils sont partis où? Attends, mais. Il y a spawn un zombie ici ou quoi? Ah, ils sortent de là, je crois. On va acheter une arme. Je vais prendre ça pour faire le ménage. Ah oui! Ah oui! Ah oui, c'est pas mal ça. Asio. Quoi? Ah, genre quand t'ouvres la porte, ça fout du C4, c'est stylé, ça fait une petite animation quoi. En vrai, je prends le pompe. Faut pas se faire chier. Hein. Oh là là. Ça régale. Ça fait vraiment zombie à l'ancienne, je kiffe trop. Non, moi je voulais la boîte, elle était là-bas. Oh, y'a Mastodonte. Allez, c'est parti. Petite canette. Ah, c'est stylé. Quoi? On m'expliquer ça aussi. En tout cas, le jeu, pour l'instant, il est pas mal. Hein. Je fais que. Du coup, j'ai fait cette vidéo suite à la première game en multi, franchement. Pour l'instant, j'ai une bonne première impression, on va dire. C'est quoi ça? C'est quoi ça, LM plus RN? On va tester. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Allez hop. Vas-y, joue. Hein. Complexe. Bienvenue dans le projet Terminus. Les portes ne se comportent pas comme ça. En fait, c'est là qu'il y a dans la. C'est là qu'il s'est enfermé, le mec. C'est trop stylé, putain. Alors, on va vite partir d'ici, je pense, ça. Hein.
Ah, y a le courant et tout, c'est pas allumé encore. C'est stylé. Oula. Oula. C'est quoi ça? Commencer une épreuve? Mais éliminer les ennemis à courte portée, je crois que j'aurais pas dû faire ça, je crois. Il doit avoir un putain de secret ici, ça va être incroyable. C'est pas la map? Ben, je vais à la boîte, hein, moi. Ciao, les gars. Imaginez. Oh, imaginez j'ai arme spéciale. Quoi? Ça rafale? Depuis quand il y a des mitraillettes à rafale? On va tester ça plutôt. Hein. Oh là 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 là. Vas-y. Hein. Ah mais. L'arme elle se met par terre, c'est trop bien. Ça c'est vraiment trop bien. L'arme elle se met par terre genre. Ah y'a un mec qui a quitté. Ouais, ça promet. Hein. C'est quoi? Quoi j'ai une RPD? Une mitrailleuse? Ouais. Vas-y. Hein. Oh là là. Et où mon arme? Arme en main. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ils ont activé l'électricité? J'ai le laser, putain. Ah oui! Ah oui! Oh là là. Ah il est trop satisfaisant. Waouh, elle est gigantesque la map. Qu'est-ce que c'est? Wow. What? Mon Dieu. Ils l'ont vraiment fait. What? Je refusais de l'imaginer. Tu parles. C'est quoi? Non, je vais mourir. C'est quoi? Je comprends rien. Mais what? Je suis dans une autre dimension. Quoi? Mais non. C'est quoi ça? Voir pour que les balles activent des modes de médiation aléatoire. Quoi? Je comprends rien du tout. Mais what? Mais what? Quoi? Je comprends absolument rien, il y a trop de trucs. Ils sont chauffés à mort. Aïe aïe aïe, doux. Ah, quand il meurt, oh, c'est de la merde ça. C'est comme les rampants, mais en pire quoi. C'est des chiens rampants. Je suis en train de faire un défi 100%, ça doit tout détruire. Hein. Je vais mourir. Vas-y, je vais acheter ça. Hein. Mais. Je sais pas ce que j'ai. Ah mais on va tous dans la dimension du coup là. Ok, d'accord. En fait c'est toute l'équipe qui va dans la dimension. Ah ouais. Quoi? Putré. Prends le zombie là avec moi maintenant. Anomalie, putain, ils sont trop chauds. Non. Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Ben ouais, il reste que moi dans la game. C'est génial. Ah non, il y a Geeks aussi. Mais quoi? Pourquoi il y a de la neige maintenant? Mais c'est des malades. Hein. Ils sont allés trop loin. Ouais, coup de crevaille. Ah, je suis mort. Hein.
Je suis mort, je sais pas ce qui se passe, mais... What? Qu'est-ce qu'il fait là, mon pote? Voilà. Je vais avoir l'ours, là. What? C'est un lapin, maintenant. C'est stylé, putain. On aurait dit Barthé, par contre, qui rigolait. Mais pourquoi il y a la neige? C'est nul, ça. Quoi? C'est quoi, ça? Je suis pas fan. Hein. Quoi, c'est quoi ça? Mais oui, bien sûr. Ça, ça rebondit plus par terre maintenant, c'est nul ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Ça, c'est nul ça. Nul à chier ça. Pas des zombies là qui font je sais pas quoi. Ok, ok. What, il y a des armures? Pas d'armure. Mais attends, mais je comprends rien, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. En vrai, c'est bien, tant mieux, ça fait plein de trucs à voir au moins. Parce qu'il y a plein de trucs, je comprends pas. Genre là en bas à droite, j'ai un LM plus R1, je sais pas ce que c'est. Là, il y a une plaque, je sais pas ce que c'est. On est allé dans une autre dimension. J'ai rien. Genre ça là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le truc que j'ai acheté là. C'est la tout rose, je crois. Putain, c'est pourri les chiens. Ouais, il est mort mon poteau. Bon. Bah gros, je veux bien te ranimer hein, mais... Ouah. Oh, le mauvais bail. Putain, il y a un radar avec un drone et tout permanent, ça c'est stylé ça. Ok, il reste qu'un zombie. Il y a le temps avant que ça disparaisse, les bonus en bas, ça c'est bien ça. On prend. Hein. Je sais pas comment on descend. C'est quoi ça? Améliorer les armes et les armures. C'est où qu'on voit les matériaux? Quoi? Mais c'est trop bien. J'ai rien compris, j'ai amélioré des trucs mais j'ai rien compris. Oh, une petite nuque. En fou, moi je vais arriver à la manche 20, apparemment c'est la fin. Je vais retester ça. Ah oui, c'est plutôt pas mal. En vrai, ça va, c'est du putain de zombie. Ah, j'y pense maintenant, mais c'est trop bien. C'est le genre de zombie que je kiffe. Tout à l'heure, j'ai vu un boss. C'est ce que je déteste dans les zombies. En vrai, c'est vraiment. En vrai, je trouve que ça gâche le plaisir de zombie. Genre, tu peux pas faire des trucs en illimité et tout. C'est quoi, radio? Commencer l'exfiltration pour mettre fin à la partie. Le joueur souhaite une exfiltration. Donc, il accepte. Il a accepté. Quoi, il s'est rien passé. Je crois qu'on avait gagné. Rendez-vous au point d'exfiltration. Il est où le point d'exfiltration? Il est là le point d'exfiltration. Il y a une zone là. C'est normal ou quoi? Oh, what? C'est un piège en fait. What? J'y suis. What? Non, c'est trop. C'est trop. Non. Bon ben voilà. Première game en zombie, honnêtement, un gros kiff, vraiment. Un zombie comme à l'ancienne, mais un vrai zombie comme à l'ancienne. C'est pas genre comme sur BO3 ou quoi, ou BO2, je sais plus. Où le zombie était un petit peu... Enfin, il était vraiment différent, quoi. C'était pas pareil, il y avait des boss, etc. C'était vraiment... C'était un autre délire quoi. Là vraiment on peut, j'ai l'impression du moins qu'on peut vraiment aller loin dans le jeu. En plus on peut s'exfiltrer pour finir le zombie quoi. Au lieu de finir en mourant, on peut s'exfiltrer, donc ça c'est plutôt cool. Bon, malheureusement je savais pas qu'il y avait autant de zombies quand on s'exfiltrait, j'ai jamais vu ça. Mais en plus il y avait des mastodontes et tout, à la fin j'ai rien compris. Mais en tout cas c'est vraiment cool, il y a énormément de nouveaux trucs.
J'ai pas tout compris. Je pense qu'il y en a qui ont un petit peu déjà joué et qui ont compris du coup comment ça fonctionnait. Mais j'ai vu qu'on pouvait avoir des armures, qu'on pouvait améliorer nos armes, etc. J'ai pas vu, il y avait le pack à punch aussi. Bon, je l'avais pas débloqué, mais putain, il y a énormément de trucs à faire, honnêtement. Donc, vraiment cool. Bon, il n'y a qu'une map. C'est un peu dommage, mais en même temps, je peux comprendre avec tout ce qu'il y a dessus. Et je pense qu'aussi, ils vont en rajouter avec les DLC gratuits. Donc, ce sera vraiment, vraiment top. Le zombie, pour l'instant, je trouve que c'est du 9 sur 10. Je mets pas 10 sur 10 parce qu'il y a des trucs, genre les zombies qui explosent et tout, là, je trouve ça vraiment pas ouf. Mais ça va, c'est pas comme les anciens codes où il y avait que ça. Donc, vraiment lourd, vraiment lourd. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, désolé de ne pas avoir réussi à gagner ma première game. Puis, moi, je vais aller un petit peu squatter tout ça. Je vais aller un petit peu un multijoueur et un zombie. Pour tester tout ça, et puis voilà, je ferai d'autres vidéos sur ça. Bon, ben voilà, les gars, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Call of ou d'autres jeux. C'était Hydrogène, passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao les gars. Let them come.